et bonjour à tous et bonjour au Lion et bienvenue sur votre guidance pour le mois de juin 2022. Alors si vous avez du Lion dans votre thème astral en ascendant, en descendant, en signe lunaire, en signe de Vénus, en lune noire, eh bien ce tirage vous concernera. Alors bien sûr nous sommes sur un tirage général, donc tous les messages ne peuvent pas vous parler, sinon ce serait génial, je toucherais tous les lions de la terre. Donc prenez ce qui vous parle, et si ce message ne vous parle pas, eh bien c'est qu'il n'était pas pour vous. Alors je vous conseillerais de toute façon d'aller voir dans vos ascendants, descendants et autres pour voir si ça se complète, parce que des fois selon les cycles nous sommes plus ou moins influencés par son ascendant ou par son descendant, donc des fois c'est bien d'aller voir le reste. Voilà, alors pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter les blabla, eh bien, je vous ai mis dans la barre d'information l'heure à laquelle la vidéo commence, le tirage plus ou moins, et donc vous appuyez dessus, vous êtes directement au tirage et vous n'écoutez pas les blabla que je ne laisserai pas, puisque ça me fait toujours plaisir de discuter un petit peu avec vous. Voilà, alors... je vous rappelle que nous sommes encore dans le concours de la vidéo la plus vue pour le mois de mai, puisqu'à l'heure actuelle, je suis encore en mai quand je fais cette vidéo. Je vais prolonger, hein, je vais refaire la même chose pour le mois de juin. Bien sûr, on va redémarrer sur une autre vidéo, donc je regarderai la vidéo la plus vue au mois de juin et je tirerai au sort les deux personnes qui gagneront une guidance à moitié prix. Alors, pour le mois de mai, pour l'instant, les béliers sont en tête, juste devant les vierges qui ont été longtemps en tête, mais les béliers ont rattrapé, derrière les cancers. Et j'ai décidé de remettre encore le jeu un petit peu plus haut, on va dire. Si la vidéo la plus vue atteint les 10 000 vues ou plus, eh bien, je tirerai au sort, non pas deux personnes, mais trois personnes. Ces personnes bénéficieront d'une guidance à moitié prix, à 50%. Voilà. Donc, ça, cet événement se prolonge jusqu'au mois de juin. Jusqu'à la fin juin, je regarderai pareil quelle est la vidéo qui a fait le plus de vues et je tirerai au sort 2 à 3 personnes. Surtout, soyez gentils, mettez-moi dans votre commentaire un signe comme quoi vous voulez participer. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui mettent des commentaires mais qui n'ont pas envie spécialement de participer à ce concours. Donc s'il vous plaît, faites-moi signe, mettez-moi, je participe au concours. Enfin, quelque chose qui me fasse comprendre que vous voulez vraiment participer et être tiré au sort. Voilà. Bon, eh bien alors, on va commencer le tirage. Vous avez vu, je vous ai mis un petit peu une autre décoration. J'ai fait du printanier cette fois-ci, puisqu'on va au printemps, vers l'été, on vient vers des choses un petit peu plus gaies. Voilà, alors je vais vous remettre bien la vidéo pour que vous voyez bien les cartes, bien sûr. Hein, sinon, ça venait bien, je vois rien. Et je vais donc regarder l'heure à laquelle le tirage commence. Voilà, alors nous sommes sur les lions. Et je vous ai tiré plusieurs cartes, vous avez vu dans l'accéléré, avec une lune, une énergie, une des 7 énergies et les êtres stellaires. Voilà, et ensuite d'autres cartes. Alors, on va commencer pour vous. Je remets ça bien, j'ai l'impression que c'est un petit peu... pencher tout ça. Désolée, la technique et moi, c'est pas encore ça. J'espère que vous voyez bien. Et les lions, je vous rappelle que votre élément est le feu. Votre planète, c'est le soleil. La couleur, c'est le jaune. La pierre, c'est le diamant. Et votre caractère, c'est volontaire, ambitieux, énergique, enthousiaste, magnétique, affectueux, idéaliste, puissant, vaniteux et rancunier. Voilà. Alors, si vous vous reconnaissez ou si vous ne vous reconnaissez pas, eh bien, si vous ne reconnaissez pas, allez voir vos autres signes. Peut-être que là, vous serez plus dans la vérité. Des fois, ça parle moins que... bon, allez. Alors, on va aller regarder votre lune. Alors, c'est la nouvelle lune en Verseau. Insoufflé de l'amour dans la situation.
Alors, le Verseau, c'est un petit peu le signe du progrès et de la modernité. Hein, c'est un petit peu ça. Donc, en fait, on vous dit que c'est le moment d'avancer. C'est le moment d'avancer, de vous libérer, de lâcher prise, de ne pas revenir en arrière. Ça, c'est important. Ne pas revenir en arrière. Je l'ai déjà dit, lâcher prise. Il y a un changement qui arrive et qui pourrait être même rapide avec ça, avec la nouvelle lune en Verseau. En fait, cette carte vous suggère de faire les choses de vous-même, hein, de vous détacher. Vous devez vous détacher davantage de cette situation pour pouvoir avancer. Et en fait, moi, on me dit qu'une pensée extérieure apportera pour vous une solution. Donc, peut-être réfléchir, voir son objectif différemment. Mais surtout, c'est une invitation à un lâcher prise et c'est le moment d'avancer. Parce qu'il y a du changement qui arrive pour vous, les lions. Ça, c'est ce que l'on dit, c'est ce que je ressens aussi pour vous. Voilà. Alors, je vais aller regarder eh bien, votre énergie. Ah, alors, c'est l'illusion et la réalité. Ah, bah, ça ressemble quand même, ça se rejoint quand même un petit peu, hein. C'est l'énergie de la lumière. Et en fait, c'est comme si vous regardiez à travers un prisme. Vous voyez, quand on regarde à travers un prisme, ben, on voit pas les choses, on voit les choses déformées en fait. On a du mal à reconnaître ce qui est ce que l'on voit. Et en fait, c'est ça l'idée. C'est qu'en fait, vous avez du mal à reconnaître la vérité. Mais par contre, vous allez atteindre une guérison des des perceptions erronées. Ah, ça, c'est des fois c'est dur, hein, quand ça reste sur la langue et ça sort pas. Donc voilà, vous allez, en fait, vous voyez les choses pas comme si vous voyez les choses mal, mais en même temps vous comprenez que c'est pas la bonne chose. En fait, vous voyez que c'est votre perception est complètement erronée parce que vous voyez ça flou. Voilà, en gros c'est ça. Et en fait, on vous dit, il va falloir être plus responsable de vos préjugés et de votre regard sur le monde, en fait, c'est ça. Va falloir vous faire confiance en votre voix intérieure. Et ça, vous voyez, ça se rejoint évidemment avec la nouvelle lune, puisque dans la nouvelle lune, on vous dit qu'il y a une idée extérieure. Il y a quelque chose, une pensée extérieure qui va vous aider à avoir une solution qui vous apportera même une solution. Voilà. Alors, on va les regarder maintenant. C'est le pardon. Et oula, attendez, voilà, pardon, j'arrive pas bien vous la mettre. C'est le pardon. Le pardon, c'est vulnérabilité, c'est redresser les torts passés, c'est le déracinement. Je le dis souvent. Je le dis souvent et même dans mes consultations. Je vous dis, pour avancer, il va falloir pardonner. Et là, on est en train de vous dire, c'est le moment d'avancer. Donc, automatiquement, c'est le moment aussi de pardonner. De pardonner peut-être à cette vision que vous avez peut-être mal vue, mal comprise, de voir votre objectif sous un nouvel angle, de pardonner à votre passé pour pouvoir avancer. Ça se rejoint, hein. Ça se rejoint beaucoup dans vos cartes. Hein. Bon, alors on va la regarder avec le petit Lenormand, les cartes. Eh bien, voyez, vous prenez quand même une autre direction parce que vous bougez. C'est le moment. Ça passe bien, ça passe vraiment ensemble. Alors, l'intuition. Ouais, il va falloir vous plonger. Vous voyez, vous avez une ressource. Vous avez des énergies nouvelles qui arrivent, qui vont quand même vous emmener vers quelque chose d'abondance, où vous allez vous sentir mieux. Ça va vous élever cette situation, hein. Ça va vous élever. Parce qu'on sent que bah, vous grandissez. Vous grandissez, vous allez en fait concentrer toutes vos énergies sur le fait de changer de direction. On me dit aussi que pour certaines personnes, il y aura une direction professionnelle qui va changer. Alors c'est peut-être lié à ça, justement, hein, parce que c'est peut-être, on est sur des énergies de changement et autres. Moi, je pense que dans le professionnel, il y aura certainement pour certaines personnes une nouvelle direction à prendre, une direction où elles vont se sentir beaucoup mieux. Alors,
Ça peut être au domaine administratif, juridique, parce que là, on parle d'un bâtiment, ça peut être aussi hospitalier. Enfin, vous voyez, il y a un petit peu de l'administratif dedans, dans ce travail, mais je sens que c'est quelque chose où vous allez vous sentir bien. Bon, c'est pas mal déjà. Alors, on va aller regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Bon, alors, on a. Oui. Ah oui, un choix à faire, effectivement. Bon. Alors, si je suis un petit peu sur une relation en dents de scie, hein. Alors, elle peut être bien sûr professionnelle, je pense qu'elle est amoureuse avec la carte de la sexualité qui est quand même la carte d'être à deux, de passer des moments ensemble, dans le milieu familial, dans une maison. Donc, on sent qu'il y a, je pense que c'est vraiment, il y a un choix à faire. J'ai l'impression que c'est un petit peu en ce moment une relation en dents de scie. À savoir, ben, je te quitte, je reviens. Enfin, en tout cas, il y a toujours cette attirance entre vous. Vous n'arrivez pas à vous séparer, mais vous n'arrivez pas à vivre ensemble. C'est pour ça que j'appelle ça un petit peu en dents de scie. Et là, on me dit que vous allez quand même aller sur des compromis. Il va falloir trouver une solution. Il y a un choix à faire, bien sûr. Je pense que là, moi, je me trouve sur le couple. Alors, peut-être que certains me penseront oui, mais moi, dans mon boulot, c'est pareil. Ça peut être aussi ça, hein. Ça peut être aussi professionnellement quelqu'un qui n'arrive pas à avancer dans son travail, qui a envie de partir, mais qui reste, qui n'y arrive pas. Et là, on sent qu'on va vers des compromis. Moi, je le ressens plus du côté émotionnel, j'allais dire, mais bien évidemment, comme on est aussi ici un petit peu sur le travail, ça peut aussi concerner certaines personnes dans leur travail. En tout cas, on me dit pas qu'il y a un changement de travail, mais il y a un compromis, il y a une idée, il y a une solution, il y a des choses qui arrivent. Effectivement, il y a un choix à faire, mais on me parle de compromis, on me parle d'entente, on me parle de. On met les choses à plat, on regarde où on va. Pour moi, ce n'est pas une séparation, c'est vraiment discuter beaucoup ensemble, voir et peut-être prendre une solution à deux. En tout cas, la solution pourrait être à deux. Alors, on va aller regarder quand même du côté amoureux. Alors, effectivement, vous voyez, j'ai quand même le break. Hein. J'ai quand même dans la situation amoureuse le break et les blessures. Ah là là! Des non-dits, c'est bien ce que je disais. Il va falloir discuter des énergies masculines et des ressentis. Alors, oui, il y a beaucoup de choses à parler. Vous êtes blessé amoureusement. Peut-être que vous êtes vraiment en break. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes complètement séparés. Hein. C'est un break, ça veut dire on fait une pause et puis on repart après. Parce que là, je vous parle de dancing. Donc, c'est pour ça que je vois pas vraiment une fin, une rupture pour l'instant. C'est vraiment plutôt une pause. Mais avec des blessures, des choses et beaucoup de non-dits. Beaucoup, beaucoup de non-dits. Alors, énergie masculine, ça peut être pour les deux, hein, ça parle que les hommes ou que les femmes ont aussi des énergies masculines. On va dire que les énergies masculines font que vous ne parlez pas assez. Voilà, vous ne parlez pas assez. Et on vous dit, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis. On vous l'a déjà dit dans la lune. Lâchez prise, ça peut être ça aussi. Hein. Détachez-vous davantage de cette situation. Regardez-la de l'extérieur, comme si vous étiez derrière la glace, j'allais vous dire, et vous regardez ça. Ou si vous êtes au-dessus de la situation, et regardez, parce que là, votre vue, elle est quand même assez influencée. Et votre perception n'est pas erronée un petit peu. Ça, on vous l'a déjà dit. Pardonner, lâcher prise, peut-être pour arriver à un compromis, pour arriver à quelque chose de plus concret pour vous aussi. On est dans le changement, on vous l'a dit. Il y a un changement qui arrive et qui pourrait être rapide. C'est le moment d'avancer, c'est peut-être le moment de vous exprimer, d'exprimer vos sentiments, parce que là, je vois qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui ne ressortent pas chez vous.
Bon, alors on va aller regarder un petit peu avec le love améthyste. Vous voyez, on me dit la grand-mère. La grand-mère, c'est la confidente, c'est celle qui conseille, c'est quelqu'un qui a du vécu. Donc, peut-être que vous avez quelqu'un auprès de vous qui saura vous conseiller sur tout ça. On me parle de transformation hein, quand même. Je vais remonter un petit peu les cartes pour que vous les voyez bien. On me parle de transformation. Hein. Il y a des choses qui arrivent. Hein. Et là, on vous l'a dit, le changement arrive. Là, c'est clair. Même dans amoureusement, il y a quelque chose qui se passe. Ouais, triangulaire. Ben, on a toujours la lune, les ressentis, mais on a un couple. Bon. Alors, je pense qu'effectivement, il y a peut-être des tentations. Il y a peut-être effectivement une relation triangulaire en ce moment. C'est pour ça qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est pour ça que c'est en don de scie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'a pas du tout envie de quitter la personne avec qui elle est, avec qui il est, je veux dire, maritalement, dans le couple. Par contre, qui a quand même des influences extérieures. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne va voir ailleurs sexuellement. Bien sûr, ça peut être le cas. Mais ça peut être aussi, ça veut nous dire peut-être que quelqu'un est influencé par une personne extérieure qui a tendance à se mettre un petit peu entre vous. Parce qu'on parle quand même de couple, hein. On parle quand même de couple, on parle quand même pour moi là, c'est sur des personnes qui sont en couple. Je suis pas sur les célibataires ou on va dire peut-être si vous étiez célibataire, ça arrivera, mais moi je le sens pas comme ça. Pour moi, pour le moment, je ressens quelqu'un qui est en couple et qui beaucoup de il y a des choses qui ne vont pas. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous dis, il faut parler, il faut avancer. Il faut écouter vos ressentis. On l'a deux fois. Hein. L'écoute de soi dans les mois à venir, c'est très, très important. Et aussi, être aussi, moi, à mon avis, à l'écoute de l'autre aussi. Parce que c'est important, quand on est en couple, d'être à deux et de voir ce que l'autre peut ressentir. Vous avez, bien sûr, cette idée de quelqu'un qui est près de vous, d'une protection. Vous avez quelqu'un qui est là parce qu'il va vous aider à vous à changer. Parce qu'on vous dit déjà, le changement, ça va vous donner des ailes, ça va vous permettre de voir les choses différemment. Et là, on l'a vraiment avec la lune. Donc, c'est le bon moment pour moi pour ça. Voilà. J'ai une carte. Ouh là, bah, j'ai tiré 6 cartes. Tiens, je me suis trompée. Bon, c'est pas grave, vous en avez une de plus, des lions. La surprise, vous voyez, on a quand même un cadeau, une récompense, un événement inattendu. Peut-être lié justement avec votre transformation. On a la loyauté. Il y a de la confiance. Il y a du respect, il y a de la vérité et de la sincérité. Effectivement, pour ça que je pense que c'est vraiment une personne extérieure qui influence. Je ne vois pas un... Quand je vous dis en danse, c'est parce qu'on n'arrive pas à se quitter, mais on n'arrive pas à vivre ensemble. Il va falloir changer les choses. On vous dit, vivez le moment présent. Connectez-vous à l'instant. Alors, oubliez ce passé qui vous a fait tant de mal. Et on vous dit repartez à zéro. Bah oui, repartez à zéro avec passer à autre chose dans le sens où oubliez les choses, mettez les compteurs à zéro pour repartir. Et vous voyez, vous avez toujours ce choix à faire, bien sûr, parce qu'on est quand même dans le compromis. Et là, on a ce choix à faire pour vous. Peut-être justement d'oublier le passé, de rester dans le présent, de voir dans le futur, quoi. Et on vous dit, bah voilà, la clé de tout, bien fait, j'ai bien fait de tirer la sixième, hein, c'est la communication, vous voyez. Alors j'espère que vous la voyez bien. C'est s'exprimer, c'est partager ses pensées, c'est échanger ses idées. Et là, c'est ce qu'on vous dit, c'est dans le compromis. Il est temps maintenant, il y a eu des non-dits, il est temps de remédier à tout ça et de se dire, oui, eh bien, voilà, c'est comme ça que je vois la vie, c'est comme ça que je vois les choses. Beaucoup de communication. Alors là, on n'est pas du tout... bien sûr, certains peuvent l'appliquer à leur travail, parce que, bon, moi, je le vois dans la relation sentimentale, c'est vrai. Mais, comme je vous l'ai dit, hein, il y a le côté travail qui est aussi là. Donc, si vous me dites, non, moi, je ne suis pas en couple, je suis célibataire, mais par contre, dans le travail, c'est exactement ça, ça peut s'appliquer, bien sûr. Parce qu'en fait, là, on est vraiment... on est sur des énergies de renouveau. On essaie
c'est des énergies de changement, de choses où on veut avancer. Donc ça peut être bien sûr dans le professionnel ou dans le sentimental. Hein. Là, pour l'instant, si vous voulez, bien sûr, je ressens plus dans le sentimental, mais je ressens qu'il y a des personnes qui sont coincées dans leur travail, j'allais vous dire, dans leur métier, qui ont envie d'autre chose. Et c'est exactement pour vous la même chose. Hein. Et vous voyez, il y a quand même des choses qui vont arriver. Voilà. Alors, on va regarder maintenant la tirelire, les progrès. C'est pas mal, ça. La grotte, l'été. Et la table. Bon, alors, vous voyez, c'est bien, ça me confirme un peu quand même ce que je vous ai dit. La tirelire, c'est en fait, on a acquis des choses et ça nous permet comment vous dire, ça va vous permettre de faire des choses peut-être que vous n'aviez pas. C'est une expansion matérielle, voilà ce que j'allais vous dire, c'est un peu ça. Vous êtes peut-être mis de côté pour arriver à faire quelque chose. Ça va vous. C'est en fait. Alors, dans le côté matériel, bien sûr, ça veut dire que vous allez un petit peu vous expandre, que vous allez avoir quelque chose de matériel qui va se concrétiser. Maintenant, cette carte, dans l'amour, hein, l'harmonie, ça veut dire les relations. Affective, et elle favorise de nouvelles rencontres, mais amicales ou avec des gens aisés. En tout cas, ça a un rapport avec l'argent, ça c'est clair, ça a un rapport avec l'argent, c'est un confort, hein. J'allais vous dire, il y a un espèce de confort qui va s'installer pour vous, les lions. Alors, on est évidemment dans le progrès, c'est-à-dire que vous voyez, les choses avancent, puisqu'on vous a dit que ça allait se décanter, et même certainement relativement rapidement, parce qu'on parle quand même de l'été, hein, donc c'est vraiment, ça va arriver dans le futur proche. Là, vous êtes encore un petit peu enfermé sur vous-même, c'est bien pour ça qu'il va falloir sortir. Et vous voyez, on a la table, donc l'invitation à partager, l'invitation à communiquer, la négociation aussi pour certains, certainement dans le travail. Moi, c'est pour ça que je vous dis, c'est pour moi les deux sont liés en ce moment. La négociation, hein, puisqu'on a le compromis ici, là c'est la table de la négociation aussi. Vous voyez, les choses se décantent, les choses arrivent. Moi, je pense plutôt vers l'été. Bon, allez, on va aller regarder avec le Love Soul ce qu'on nous dit. Et bien là, on vous dit, il est temps de faire une pause. Il est temps de prendre soin de soi. Il est temps de se remettre en question. Ben, exactement, on vous l'a dit avec la lune. Il faut vous remettre aussi de vos blessures, ça veut dire lâcher prise, pour avancer. Parce que vous êtes quand même dans un bon mood, j'allais dire. Vous avez l'amour-passion, hein. C'est une attirance physique et mentale, c'est un amour chaud, oui, voilà, on sent que vous, c'est ce que je vous dis, hein, vous n'arrivez pas à vous séparer, vous êtes vraiment, ça se confirme, hein, vous êtes vraiment dans l'attirance, mais vous avez, c'est un oui, c'est non, c'est un petit peu inconsistant tout ça, parce que voilà, vous avez encore quand même les chaînes du passé qui sont là. Et vous vous sentez un petit peu prisonnier. Il y a une douleur, hein, qui a été longtemps contenue, qu'il va falloir sortir. Et justement, en parler, lâcher prise, pardonner, tout ça, ce sont des choses, un travail que vous devez faire aussi pour vous. Et on vous dit quand même de prendre votre temps pour faire ça. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne va pas se passer dans la nuit, le lendemain, vous allez vous réveiller, tout va bien. Il va falloir prendre votre temps. C'est pour ça qu'on vous dit, prenez le temps de voir pour vous, pour pouvoir avancer, ne vous précipitez pas. Et enfin, vous voyez, on a à la dernière carte, c'est le changement positif qui arrive, le coup de chance. Et on me parle quand même de rebelote, de rapidité et d'inattendu, comme ici. Alors, je vous dis, prenez votre temps. Là, on vous parle de rapidité, c'est vrai que c'est un petit peu contradictoire. Non, moi, je pense que une fois... On vous dit de prendre votre temps, de penser à vous, de voir les choses évoluer. Et en fait, une fois que vous en serez là, eh bien, les choses se décanteront rapidement. Voilà, en gros, c'est ça.
Bon, allez, on va aller, je vais aller lire le message des âmes amoureuses pour vous. Eh bien, c'est le oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Donc, vous voyez, là, pareil, les choses vont vraiment se décanter pour vous, les lions. Il suffit de lâcher prise, peut-être d'avancer. Vous êtes dans une très bonne phase. Vous avez la lune pour vous. Vous avez quand même beaucoup de choses de positives. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous vous reconnaîtrez. Mettez-moi des commentaires. Dites-moi si ça vous a plu. Enfin, plus, c'est un grand mot, si ça vous parle plutôt. Si vous vous reconnaissez, et puis dans le cas où ce n'est pas pour vous, eh bien le message n'était vraiment pas pour vous. Allez voir peut-être un autre signe qui est dans votre thème astral. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à bientôt au prochain signe. Allez, à bientôt, au revoir.